tu as voulu sacrifier ton fils pour sauver le mien. Tu es donc venu répondre à l'appel de Monzon pour être au rendez-vous de l'honneur à la tête de la vaillante armée de Ségou. Oui, je suis prêt. Cependant, j'ai une petite doléance. Parle. Le roi Monzon t'écoute. Après la bataille, je renonce à ma fonction de chef de guerre. Permettez-moi de retourner auprès de Mia Charou. Sois victorieux au Karta et tu seras comblé. Alors, grand roi, ordonnez et j'exécute. Prépare les troupes. Demain, Ségou marchera sur le Karta. À vos ordres. Je veux décès vif ou mort. Avec ta permission, je serai un témoin vivant de la bataille contre le Karta. Un jour sombre se lève pour Dessé et le Karta. Sur l'ordre du roi, nous sommes tous prêts à combattre sous tes ordres, pour Monzon et pour Ségou. Vous êtes des chefs de guerre. Voilà une opportunité pour vous d'avoir des butins de guerre et de vous faire une renommée. Aïe, waïe, Monzon, djarala, djaloubi, waïe, nanga, madena, doukou, mine, doukou, tila, warabaka, bena. Kafomine kafotila warabaka bena yele doka kokoni ati dagasa Monzon yo itai dakanyo kafie. Monzon, les hommes et les esclaves de Ségou ne parlent que de toi. Digne descendant de Golo, il ne sert à rien de te braver, car c'est ton destin d'être à cette place. Djara. Yan fenjugu yan fenma ay haketo. La femme avec qui je partageais tous mes secrets m'a abandonné. C'était prévisible. Pourquoi dites-vous une telle chose? Tu ne dis que la vérité. Si ta femme est partie, c'est ta faute. Madame, je vous en prie, aidez-moi. Ton cas est critique. De ma vie de féticheur, je n'ai jamais vu une situation aussi désespérée que la tienne. Je vous implore, vous êtes l'un des détenteurs de nos pouvoirs ancestraux. S'il vous plaît, Makan, aidez-moi. Comme tu insistes, confions ton sort aux quatre éléments de la nature.
Ni ma fin fin fait du gogolo quand. En bébé bora bogola, ou en bébé sikin bogoma. Ni ma fin fin fait du gogolo quand. En bébé fien seman, en bébé fien bla. Aramadina Joseph la, oji en tasumaye. Ne gassaman kalifaula. L'eau, l'air, la terre et le feu. Je vous confie le dessein de Gassama. Aidez-les comme vous avez aidé des milliers de gens dans le besoin. Demande leur protection. L'eau, l'air, la terre et le feu. Prenez-moi sous votre protection. Qu'elles servent de lien entre toi et les éléments de la nature. À présent, va. Tu es sous la protection des éléments de la nature. Ton sort est entre leurs mains. Merci, Maha. Bonjour, Bapenda. Bonjour, mon fils. Voici tes colas. Merci, Gassama. Merci. Je n'ai pas eu d'enfant. Depuis la mort de mon mari, tu t'es occupé de moi comme si j'étais ta propre mère. C'est normal, Bapenda. Tu me rappelles ma mère. Et ta femme, Abi? Abi. Depuis qu'un féticheur nous a dit que je n'ai plus aucune chance dans cette vie et que je serai de plus en plus pauvre, elle m'a abandonné et est partie pour de bon. Ton épouse ne doit pas te faire une telle chose. Le mariage, c'est la confiance, le respect et la protection mutuelle. Les considérations financières doivent être secondaires. Elle m'a affirmé qu'elle endurait dans mon ménage les brimades, les moqueries des voisins, les attaques à domicile. Et que vraiment, elle n'en pouvait plus. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, Bapenda, tu as raison. Mais certaines personnes ne le savent pas. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pauvre. Que veux-tu dire? J'avais décidé de ne jamais donner l'héritage de mon mari à quelqu'un. Aujourd'hui, je change de décision. Je te le donne. L'héritage de ton mari? Oui. Il y a de cela des années. En cultivant notre champ ici, mon mari et moi, nous avons découvert un canari rempli d'or. Un canari rempli d'or? Oui. Mon mari et moi, nous avons vécu humblement. Jusqu'à sa mort, on n'a pas touché à ce trésor. Et pourquoi? Parce que mon mari pensait que le propriétaire allait venir un jour. Et nous aurions eu honte si nous avions touché au bien d'autrui. Vivre et mourir dans l'honneur et la dignité, telle est votre vision. Vous êtes notre fierté. Le trésor est sous l'arbre. Il est à présent à toi. Viens, je te le donne. Thank you.
tête ici. Creuse. Présent, il y a à attaque le Karta. Elle ne verra que du feu. Matel, ne t'inquiète pas. Tu auras les derniers mots. Oh, grand roi. Vous m'aviez envoyé en mission de renseignement à Ségou. Je suis de retour. Parle, je t'écoute. Monzon veut savoir pourquoi vous avez attaqué Nyamina, la cité des marabouts qui est sous sa protection. Abby, comment tu vas? Je vais bien. Depuis que je n'ai plus le problème de mon triste mariage. Tu as au moins les nouvelles de ton mari? Pourquoi faire? Kadia, je ne veux plus parler de lui. J'ai tourné la page. Abby, cela n'est pas grave de parler de celui avec qui tu as passé un grand moment de ta vie? Ne me parle pas de lui, c'est tout. Je voulais tout simplement te dire que ton mari est devenu très riche et tous les voisins ne parlent que de lui. J'espère que ce n'est pas une blague. Je ne blague jamais sur un sujet aussi sérieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé après toi, mais ton mari est à présent riche. Si tu dis vrai, je vais chercher à voir clair dans cette soudaine richesse. Bon, je te laisse. D'accord. Bonne journée, Kadia. Merci.
vas-tu? Oui, je vais bien. Je cherche Gassama. Gassama? Oui. Il est avec ses billes là-bas. Ok, merci. Merci. Bonne journée. Allez, au revoir. Gassama, comment vas-tu? Comme tu vois, je ne suis pas mort après ton départ. Pour si peu de choses, pourquoi parles-tu de mort? Abby, tu étais mon épouse. Tu ne devais pas me faire une telle chose. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais pas ce que tu m'as fait? Tu m'as abandonné à mon triste sort de la pauvreté. Voilà ce que tu m'as fait. Et les esprits sont venus à mon secours. Tu n'as pas encore compris que je m'amusais? Sinon, comment abandonner celui à qui je suis lié pour le meilleur et pour le pire? Abby, ne raconte pas des histoires. C'est parce que tu as appris que je suis devenu riche que tu es revenu. Non, c'est à cause de ton amour que je suis revenu. Ah bon? À cause des beaux moments que nous avons vécu ensemble? Dis-moi la vérité. C'est vrai. J'ai eu tort. Mais pardonne-moi. Je jure que je ne t'abandonnerai plus jamais. Abby, le mariage, c'est la confiance, le respect et la protection mutuelle. Tu m'as abandonné en détresse. Je ne peux donc plus te faire confiance. Adieu. Gassama, mon amour, pardonne-moi. C'est trop tard. Adieu. Que je vois là est une insulte pour Ségou et pour nous tous. Et que vois-tu? C'est le fils aîné de celui que nous venons combattre qui chasse comme si rien ne se passait. Que la troupe s'arrête. Nous faisons une pause ici. Je loue et chante à la gloire des braves. Montre-nous que tu mérites la confiance de Monzon en donnant une bonne leçon à cet insolent. Que personne ne bouge d'ici. Je m'occuperai seul de ce prince. Faisons une pause.
les coups de feu venaient de par là. Où est-il? Il a tiré sur moi et s'est sauvé. Il connaît cette brousse mieux que moi. Voilà pourquoi il m'a échappé. L'humilité cache toujours la stature d'un homme fort. Charou Salifou, tu fais la fierté de Ségou et tu nous rassures en tant que chef. Père, cet homme est exceptionnel. Il me charge de te dire que tu seras le seul responsable de la destruction du royaume de tes parents. Cet homme est arrogant. Il dit que tu as attaqué Nyamina par lâcheté et que tu répondras de cet acte. Réunissez tous nos combattants. Distribuez des armes et des munitions. Le Karta n'est pas une poule que l'on peut mettre dans un poulailler. Banama. Oui. Tu défendras le côté nord de la ville avec tes hommes. D'accord, père. Nous sommes prêts. Amé. Présent. Tu les attendras à l'est avec tes hommes. Maura,
Les vautours et les salonnades se disputeront leurs cadavres ici. Allons-y. Bonhomme est mort. Ils sont nombreux. Et les petits lions. Quand on ne connaît pas le lion, on le prend par la queue. Sache, Griot, que je n'ai peur ni des Monzons, ni de la mort. Dessé, ton armée est défaite. Tu paieras pour ton insolence. Sachez que certaines défaites de la vie conduisent souvent aux grandes victoires. Ta défaite d'aujourd'hui te conduira en esclave à Ségou. Notre plus grand ennemi est nous-mêmes.
Emmenez-le. Merci les artistes. Merci la population. Aujourd'hui, nous vivons un grand jour à Ségou. Moi, le griot Tchintikiba Danté, témoin vivant de la défaite de Karta. Je vous demande d'applaudir pour la vaillante armée de Ségou. Avec ta permission, je demande à la foule d'accueillir Charo Salifou qui a vaincu les Karta en ton nom pour la gloire de Ségou. Au nom de tous les combattants, je vous remercie. Car cette victoire a été une opportunité pour beaucoup d'entre nous d'avoir des butins et de se faire une renommée. Comme convenu, après la fête, je retournerai auprès des miens à Charo. Ah, Charo Salifou, ton choix sera respecté. Le pouvoir est comme la tête du pharaon, la reine des eaux. Celui qui en a vu la figure ne peut plus en détourner le regard. Reste fasciné et charmé. Celui qui a goûté l'ivresse de la domination et du commandement ne peut plus s'en passer. Cher Salifou, il n'est pas donné à tout le monde comme toi de renoncer à la volupté de diriger les destins de millions d'hommes. Atesra konye faden dolu ye kundanya kumala sharo kauka salifuku kele selie. À présent, la parole est au baobab de Ségou. Chaque jour a ses réalités. Djara. Ses vérités. Charo Salifou et tous les combattants seront récompensés pour cette brillante victoire. Djara Kourobakari. Ko iye ngona uma fara monson djara la. Djara uye dangoro baye na uma fara. Ngana sile ulada sobe ke solangola ye. Djara Sangranga. Ko iye kona kabaye keru do monzo jara ye kabaye keru ye da sobe ke solangola ye jibani kone jara Kourobakari. Que la fête continue.
Depuis ma naissance, j'ai obtenu tout ce dont j'ai eu besoin. C'est normal. Tu es notre unique fils. Tu es mon héritier. Et ma fortune t'appartiendra un jour. Je ne veux pas de fortune. Faites-moi plutôt des bénédictions. Car je veux partir pour avoir une vie exceptionnelle de brave et affronter des hommes réputés, être invincible. Pourquoi veux-tu faire une telle chose? Je vais avoir la seule chose qui résiste à l'épreuve du temps. Je vais avoir un nom qui subsistera après ma mort. Mesures-tu les conséquences d'une telle décision? Bien sûr. Il s'agit de combats d'homme à homme, de tuer ou d'être tué. Mon fils, je t'en prie, renonce à cette idée. Maman, ma décision est déjà prise. Boubou, si tu ne peux pas revenir sur ta décision, que vais-je devenir s'il t'arrive un malheur? Maman, ne t'en fais pas. Fais-moi confiance. Mon fils, s'il s'agit de combattre d'homme à homme, de tuer ou d'être tué, tu as besoin de mon aide. Bonjour. Bonjour Samba. Prenez place. Vous êtes le lien entre le monde des humains et celui des esprits. Je sollicite votre aide. Samba, qu'attendez-vous de nous? Vous êtes les plus grands féticheurs et les détenteurs des savoirs occultes. Je vous demande de prendre mon fils Boubou sous votre protection. Et pourquoi? Il veut partir pour avoir une vie exceptionnelle de brave et affronter les hommes réputés être invincibles. C'est peut-être cela son destin. Je vous donne tous les moyens. Donnez-lui le secret de l'invincibilité. Invoquez les esprits afin que mon fils me retourne sain et sauf. Ce que tu nous demandes n'est pas facile. Mais si ton fils accepte l'épreuve des sept canaris, les esprits décideront de son sort. En quoi consiste cette épreuve? Je ne peux pas t'en dire plus. Mais si ton fils est d'accord, qu'il vienne ici seul. Je vous remercie pour votre aide. Je demande à partir. Thank you.
Jure-moi soumission. En retour, tu seras gracié. Jamais. Je préfère mourir que de trahir Rukarta. Mais Dessé, tu es mon prisonnier. Et tu dois craindre ma colère. Pourquoi me résistes-tu? Monzon, mon honneur m'interdit tout acte ou sentiment jugé indigne, tel que la lâcheté et la crainte. Je n'accepterai jamais qu'un fils d'esclave me dicte ma conduite. Laissez-le. Tant que je serai en vie, tu ne seras pour moi qu'un fils d'esclave. Monzon, épargne-le. Dessé a eu la pire des choses qui puissent arriver à un homme. Des rois, il est devenu un simple esclave. Tu as raison, Tientigiba Dante. Je t'épargne la vie pour faire durer ton supplice. Amenez-le. Tout. Djara, ton nom restera toujours lié au grand fait de Ségou. Toutes les griottes de Ségou chanteront à ta gloire jusqu'à la fin des temps. Hey, digne fils de Golo Djara, commande, commande, tu seras obéi. Tu es fils de Golo. Tu es parfait sur ce trône. Idjara, Djara Kolobakari, inini sigiro en kaka. Bonjour, Boubou. Ainsi, tu veux partir pour avoir une vie exceptionnelle de brave et affronter les hommes réputés être invincibles? C'est exact. Si tu réussis l'épreuve, tu seras invulnérable aux armes à feu et à tous les métaux tranchants. Je suis prêt. Alors, avance vers les Canaries. Suis ton destin. Attention, un seul des sept canaris contient le breuvage sacré qui rend invulnérable aux armes à feu et à tous les métaux tranchants. Les six autres contiennent des poisons mortels, dont l'antidote se trouve dans la jarre gardée par des vipères. Serre-toi dans l'un des sept canaris et bois rapidement. Thank you.
Les esprits décideront si tu dois vivre ou mourir. Ni mada kola daga wolom vla gundo inada ola. Ni mada kola daga wolom vla gundo inada ola. Nul ne connaît le secret des sept canaries sacrées, sauf les esprits de nos illustres maîtres. Aidez-nous! Aidez-nous! Quel sort avez-vous décidé pour Boubou? Que s'est-il passé? Tu es à présent invulnérable aux armes à feu et à tous les métaux tranchants. Tu dois maintenant prendre un bain avec les feuilles de cet arbre sacré, préparé avec l'eau puisée dans sept puits de sept différents villages. Ainsi, tu seras protégé contre la magie et les sortilèges. J'ai confiance en vous. Vous m'avez dit que votre fils veut partir pour avoir une vie exceptionnelle de brave et affronter les hommes réputés, être invincible. C'est exact. Je suis là pour avoir votre aide. Nous sommes tous de pauvres mortels. Nous prions Dieu, mais c'est lui seul qui décide pour l'avenir. Boubou est mon unique fils. S'il vous plaît, aidez-le. J'ai fini avec votre travail. J'ai fait cette ceinture avec les noms secrets du bon Dieu, par lesquels je l'implore pour résoudre les problèmes. Un coup avec cette ceinture équivaut à 100 coups de fouet, et la personne qui recevra le coup. Mère, je suis prêt. Boubou, je respecte ta décision. Je ne souhaite que ton bonheur. Mère, je sais très bien que pour moi, tu es prête à tous les sacrifices. C'est normal. Tu es mon unique enfant. Je suis vraiment désolé. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est pour que tu penses à moi. Merci, mère. Ton père est à la porte.
Koubo, n'oublie pas mes conseils. Rassure-toi, je ferai attention. Au revoir, mère. Au revoir. Thank you.